Tchatoura est une petite ville de l'ouest géorgien localisée à 180 km au nord-ouest de la capitale Tbilissi. La ville est située le long de la rivière Kourila, sur le plateau de Tchatoura, à 350-500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette ville impose par son paysage spectaculaire de roches lisses le long de la rivière et par son architecture industrielle soviétique. Tchatoura s'est agrandi au XIXe siècle à la suite de la découverte et de l'extraction de riches dépôts de manganèse et elle s'est développée en tant que ville industrielle soviétique au cours du XXe siècle. La ville a un patrimoine archéologique datant de la période préhistorique ainsi que des monastères médiévaux. Cependant, sa grande richesse réside dans son patrimoine industriel. Ces bâtiments imposants sont une représentation unique d'une période importante de l'histoire de la Géorgie. Le centre-ville se déploie le long de la rivière, tandis que les autres quartiers sont situés sur les différents niveaux des plateaux supérieurs. Du fait des différences de hauteur entre les parties de la ville, un système complexe de téléphériques a été mis en place au début du XXe siècle. Pour développer toute la capacité de l'industrie, les Soviétiques ont décidé de construire une toile de téléphérique au-dessus de la ville. La première de ces routes de cordes a été créée en 1954 et plus de 20 autres ont suivi depuis. Ces connexions étaient utilisées pour transporter les travailleurs, du matériel et simplement pour amener les citoyens dans les parties supérieures de la ville. En plus de ces fonctions, le téléphérique ajoute beaucoup au panorama de la ville rocheuse. ჩვენ ვგზავრობთ შვიდობის სახალხო საბაგირო გზით. ეს საბაგირო მსოფლიოში ყველაზე დახრილი გზა არის. ჭიათურაშიც და მსოფლიოშიც ყველაზე დახრილი გზა, რომელიც დაახლოებით არის 120-130 მეტრზე მეტი სიმაღლეზე არის. Aujourd'hui, le système de câblage vieillissant est toujours utilisé avec au moins 17 stations. Les voitures rouillent de façon spectaculaire et presque toutes les stations se sont détériorées, entretenues et parfois réparées par des ingénieurs amateurs. Au cours de ces dernières années, plusieurs accidents sont survenus avec ces téléphériques. Pour les habitants, c'est encore le moyen de transport le plus rapide et le plus commode dans la ville. Beaucoup vous parleront avec fierté de leur système de transport unique. Ახლა ჩვენ ვიმყოფებით წერეთლის მაღაროზე, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი მაღაროა ჭიათურის სამთო-გამომძიებელი კომბინატის. საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაღაროა თავისი დაარსებიდან. მოიპოვება მარგანეცი, რა თქმა უნდა, მუშაობს სადღაც 200-ზე მეტი ადამიანი
და დღესდღეობით განაგრძობს მაღაროს სოლიდარიტეტ მუშაობას. აქვს თავისი ფაბრიკა, რომელსაც ახლა მჯავართ, ნახავთ. მარგანეცი გადაიზიდება სატვირთო საბაგირო გზით და თავის ფაბრიკაში შემდეგ მუშაობდება. En 1902, environ 190 producteurs de manganèse fondèrent la Société de la Pierre Noire qui permit de financer des projets publics tels que les infrastructures, l'éducation et la culture. La Première Guerre mondiale stoppa net cette industrie. Est arrivé le renouveau lorsque la production de manganèse fut nationalisée par le gouvernement soviétique en 1921. La chute de l'Union soviétique en 1991 eut un impact dramatique pour la ville. Le processus d'extraction fut arrêté et la ville connut un déclin économique et social de grande envergure. L'extraction a repris partiellement en 2006. Les conditions de travail pour les 3700 mineurs sont difficiles et les salaires sont très bas. À l'exception de l'exploitation minière, Tchatoura ne fournit aucune opportunité économique à ses résidents. Enfin, il existe de graves problèmes écologiques. L'eau potable est un problème sérieux pour la municipalité de Tchatoura. Aujourd'hui, c'est dimanche. Alors que certains travaillent, la ville se prépare à fêter comme tous les ans en octobre, Chaturroba. Les gens du haut de la ville vont s'y rendre en prenant leurs moyens de transport uniques et gratuits. Depuis un an, les habitants des villages autour de Tchatoura se sont préparés pour présenter durant toute la journée leur savoir-faire. Tout le monde s'affaire pour monter son stand alors que d'autres préparent la scène et la sono pour les chanteurs et danseurs. Pressage du raisin pour faire le vin à la méthode géorgienne. Et fabrication de chuchrela, composé de noisettes et de jus de raisin mélangé à de la farine. Ah, non, je veux de la samouraï, ça. Je veux de la samouraï. Je veux de la samouraï.
C'est un grand moment de convivialité et de retrouvailles pour beaucoup. C'est aussi le jour où les différentes compagnies de la région font leur démonstration de danse traditionnelle. I'm going to go to the hospital.